Bonjour, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une ouverture de courrier donc qui me vient de Amy pour mon anniversaire. Donc merci beaucoup Amy pour ce très gentil geste de ta part. Donc nous allons découvrir ensemble ce qu'il y a. Donc il y a une enveloppe comme ça avec Happy Birthday ici, très jolie, très très jolie. Et puis derrière, elle est venue me mettre un petit washi avec des étoiles, très sympathique. Et donc on va ouvrir ensemble. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Donc celui-là, il se découpe très très bien, ce petit washi. Donc voilà, je le mets là devant moi, comme les autres. Sur ma lampe. Voilà, comme ça me permet de les utiliser quand je fais la manivelle. Donc, j'ouvre tranquillement l'enveloppe pendant que je vous parle. Je vais vous basculer sur la table pour que je puisse partager avec vous cette ouverture de l'anniversaire. Merci énormément pour ton geste. Très, très joli. Donc voilà pour l'enveloppe que je mets de côté. On va d'abord découvrir cette très jolie carte avec un panda. C'est très très sympa. Et elle est venue en gaufrage, mettre un fond de gaufrage en relief. Ça c'est génial. C'est super joli. Happy Birthday. Et donc dessus, elle est venue mettre des petits chipboards. Happy Birthday avec des petits cadeaux, un petit des ballons cœur qui transporte un cadeau et un très joli panda, un die-cut panda très très mignon. Oh, c'est tout mignon, j'aime beaucoup ta carte, très sympa, très très sympa. Voilà, merci beaucoup Amy, ça me touche beaucoup quand voilà de recevoir tout ça. Ah, en même temps, il y a aussi des petits trucs derrière, tout brillant, c'est mignon. Je vais lire ton petit courrier. Donc c'est août 2023. Merci beaucoup, un très joyeux anniversaire. Que mes voeux se réalisent. Ouais, j'espère. Surtout la santé. La santé, les yeux, tout ça. Oh, je suis sûre qu'ils vont me plaire tes petits cadeaux. J'en doute pas. Zoubiscrap. Moi aussi, je te fais plein, plein de Zoubiscrap. Regardez, regardez ce qu'elle a mis en haut. Des petites choses comme ça. C'est trop mignon les petits trucs qui brillent là. C'est très sympa. Vous voyez un peu l'eau de la lettre, mais c'est pas grave. Voilà. Trop trop mignon. C'est très sympa. J'aime beaucoup ta carte. Et je ne sais pas si vous voyez bien le gaufrage, mais je pense qu'on le voit bien en relief. Et voilà, vraiment très très mignon, très sympa. Merci beaucoup pour cette jolie carte. Et merci beaucoup pour ton geste. Ça me touche vraiment beaucoup. C'est très très sympa. Alors, on va commencer par celui-là, tiens. Voilà. Peu importe hein, dans quel ordre. Donc elle a remis des petits washi étoilés. Voilà. Donc c'est comme ça avec du papier de soie. Voilà, je vous montre. Très très joli. Alors je ne sais pas quelle couleur il est trop le papier. J'hésite entre violet, gris. J'ai un peu de mal à voir. C'est pas noir parce que par rapport à l'autre que j'ai à côté qui est bien noir. J'ai l'impression que c'est peut-être dans les tons violet-gris. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là ici nous avons une pochette. Très mignonne la pochette. Oh, elle est jolie la pochette. Très sympa avec un petit fleur ici, avec une petite perle en son cœur. Même pas, c'est. Ah non, c'est. Si, si, c'est une fleur en son cœur. Voilà. Très jolie, très très jolie. Et donc, on va ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est dans les tons rosés, je crois. C'est trop mignon. Très jolie pochette. J'aime beaucoup la petite pochette. Qu'est-ce que c'est? Oh. Oh, que c'est mignon. Alors, ça, c'est quoi? C'est une petite encre en bracelet. Oh, c'est mignon. Ah, oh, c'est un petit bracelet. Oh, j'aime bien. Merci beaucoup. C'est mignon. T'as trouvé ça sur peut-être le lieu de tes vacances. Oh, regarde, je le mets. Ah, en plus, c'est facile à mettre pour moi. C'est quand même assez simple. C'est là que je vais pas y arriver, hein, mais si, si, je pense. Et en fait, il faut mettre l'encre comme ça dans votre bras. Oh, c'est mignon, j'aime bien. Ah oui. Et là, il y a une petite étiquette avec une encre marine. Voilà, avec la petite étiquette. Oh, c'est mignon, regarde ça. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup, elle est très jolie.
Très très joli bracelet, ouais, j'aime bien. Très sympa. Ah, c'est sympa pour mettre l'été et tout. Voilà, donc on va le garder. Je vais juste enlever l'étiquette. Je vais juste enlever ça. Alors, je vais le redéfaire parce que... Alors, comme ça m'entraîne un petit peu à le mettre. Ah, c'est bien ça pour mettre tout seul. J'apprécie beaucoup. Parce que c'est pas toujours facile de mettre les bracelets, hein. C'est pas toujours facile. Donc, je vais découper la petite étiquette parce que la petite étiquette, on va pas la garder. Ça sert à rien. Mes ciseaux. Où êtes-vous, mes ciseaux? Je mets sur la table. Bon, je vais prendre les deuxièmes parce que j'arrive pas à trouver les premiers. Je vais les retrouver, hein, mais je sais pas où ils sont. Voilà. On découpe la petite étiquette qui va bien. Même ça peut servir de mini-étiquette. Après, c'est la référence qui est marquée, hein, c'est voilà. Ah, c'est très chouette. Merci, Amy. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Très original. Voilà, il est 14h. Vous êtes au courant. De temps en temps, vous entendrez ma pendule qui parle. Voilà. Ça m'aide à m'orienter dans l'espace, dans le temps surtout, pas dans l'espace. Alors, donc ça, c'était dans une très jolie petite pochette magnifique. Très sympa. Merci beaucoup, ma petite Amy. C'est très gentil. Oh, il y avait Happy Birthday ici. C'est trop mignon. Regardez. Trop, trop mignon. Ah ouais, très sympa. Donc ça, c'est un joli petit papier de soie qui peut aussi resservir. Voilà. Faites circuler. Et ici, on a un autre chose avec le Happy Birthday. Très joli, hein. Très, très joli. Très délicat. Très mignon. Ouais, très, très mignon. Et là, avec encore les petits washi. Des petites étoiles, donc c'est vrai que j'ai eu la tête dans les étoiles. J'ai eu un très beau cadeau par mon chéri. J'ai eu un nouveau téléphone portable pour tout vous dire avec lequel je vous filme. Donc, un téléphone portable qui a un double écran qui me permet de bien voir. Donc, du coup, il est vraiment très très grand et je suis ravie. Voilà, c'était pas tout neuf, c'était un reconditionné. Mais je suis très contente parce que c'est un modèle qui vaut cher. Et du coup, vraiment, j'étais heureuse de pouvoir bénéficier d'un nouveau portable. Le mien, il avait déjà quelques années, mais il était encore bon. C'est lui, du coup, qui l'a récupéré pour lui. Et du coup, voilà, moi, j'ai eu le nouveau. Donc voilà, je suis très contente. Et vraiment, merci beaucoup parce que bah, ça m'aide énormément pour voir dedans. Voilà, donc comme ça, je peux voir en grand. Et puis, ça me permet quand même d'avoir le téléphone à portée de main et puis de pouvoir tout faire avec ce téléphone et ma petite tablette que j'ai toujours à côté. Voilà, pendant que je défais, que je vous fais la causette, je défais tranquillement le petit cadeau. Très, très bien emballé, très délicat, très super. Donc là, je sens que c'est un peu dur. Donc ça, on va regarder ce que c'est. Vous verrez une sorte de petit plateau. On va voir. On dirait un plateau, mais c'est peut-être pas un plateau. Hein. Donc voilà, donc je remets ça, comme c'était emballé. Non. Et après, de toute façon, je vais les replier parce que ça, il faut les ranger dans un tiroir avec que les petits soies. Comme ça, on les retrouve. Voilà, pour d'autres futures copinettes. Ah, mais c'est joli ça. C'est des dies de tampons, de papillons, pas de tampons, des dies, des matrices de découpe de Casey Art. Merci beaucoup pour ces jolis papillons que l'on peut faire en 3D donc. Oh, c'est super, merci beaucoup, c'est mignon. Merci beaucoup, Amy, c'est très gentil. Franchement, c'est très gentil. Je ne connais pas bien cette marque Casey Art. Oh, ils sont trop mignons. Eh bien, on va pouvoir faire des papillons. Je ne me lasse pas des papillons. Merci beaucoup. Et après, on peut tout à fait coloriser aussi, faire en 3D. Comme ça, c'est sympa. Voyez, je vous montre. Voilà. Quand même un joli papillon de belle taille. Voilà. Donc, de Casey Art. Merci beaucoup. Très, très gentil. Voilà pour mon anniversaire. Merci beaucoup de tes gestes. Ça me touche beaucoup. Et merci à tous. Merci à toi, Amy. Je t'embrasse très très fort. Je te fais plein plein de zoubis scrap.
je vais vous remontrer ma petite tête. Et voilà, donc merci énormément et je t'embrasse très très fort et je te dis à très très bientôt. Bye bye.